Chers amis, nous allons commencer d'abord par le premier exemple, l'économie de la religion. Ce n'est pas, contrairement à ce que croient certains, une discipline entièrement nouvelle. Adam Smith, notre papa à tous, déjà s'interrogeait sur les conséquences dans notre comportement, dans la sphère de l'économie, d'attitudes portées par des croyances fortes ou non. C'est dans ce sillage, somme toute classique, que s'inscrit l'économiste américain très célèbre, vivant, Robert Barrow, quand il s'interroge sur les liens possibles entre les adhésions à des croyances, ici religieuses, et des comportements au travail. La constatation est unanime. Les individus dont les croyances religieuses sont fortes ont des comportements au travail plus efficients que la moyenne des individus. Comment peut-on l'expliquer? C'est aisé. Si je suis croyant, il rentre dans ma fonction d'utilité le fait hiérarchiquement premier dans mes choix et motivations et mes préférences d'accéder au salut éternel. Or, dans toutes les religions monothéistes, un bon travail d'une part, une honnêteté sans faille dans les relations, sont des bons points qui vont figurer dans mon actif, qui, comparé à mon passif, va m'ouvrir ou pas les portes de l'éternité. Faire sa tâche quotidienne le mieux possible fait partie du devoir d'État. Ne pas voler son patron ou son client sera aussi porté au crédit de l'individu lors du jugement final. Aussi est-il rationnel, pour maximiser ses chances de repos éternel, de se conduire le mieux possible dans son travail. On vérifiera aisément la corrélation en constatant par exemple que les États-Unis sont le pays au monde dans lequel la pratique religieuse est la plus élevée. C'est avec beaucoup de hardiesse et selon nous d'intérêt que Samuel Cameron va nous proposer en 2002 un magnifique ouvrage, The Economics of Sin, l'économie du péché. Pour aborder l'économie du péché, l'auteur va appliquer aux normes religieuses et à leur transgression éventuelle une analyse économique utilitariste pour cerner si, lorsque nous optons pour le péché, il s'agit d'un choix rationnel du style utilité des utilités c'est que l'utilité du péché n'est pas douteuse la plupart des péchés capitaux sont de l'ordre des tentations qui sont si agréables que beaucoup tombent volontiers ici dans la gourmandise c'est-à-dire l'addiction là par exemple dans la luxure si beaucoup de péchés n'avaient pas une dimension forte agréable nous n'y tomberions jamais et pourquoi lorsque nous péchons souvent c'est avec mauvaise conscience L'étudiant qui triche aux examens n'est pas fier de lui. Eh bien, la désutilité, c'est qu'il est associé à la notion de péché, l'idée de mal, et peut-être même de la damnation. Si l'envie de pécher pour vous et moi dépasse le risque que nous prenons, si bien résumé par Victor Hugo dans La légende des siècles, dans son sublime alexandrin, l'œil était dans la tombe et regardait qu'un, nous tombons alors rationnellement dans le péché. Puisque l'utilité l'emporte sur la désutilité, le gain sur la perte. Si c'est l'inverse, nous nous retenons, vous et moi, de pécher. L'étudiant qui estime qu'être radié de toutes les universités pour cinq ans est un risque trop grand par rapport au gain d'une note supérieure s'il triche, décide de ne pas tricher et inversement. C'est donc un calcul économique rationnel qui préside dans notre décision de transgresser ou non une règle établie par une religion. La décision de pécher est évidemment corrélée au niveau de risque que l'individu accepte de prendre, car les bénéfices escompténeux ne sont pas toujours certains. La prise excessive de drogue ou d'alcool que je fais en espérant voir des éléphants roses, si elle se termine par une overdose ou un coma éthylique, n'était pas un bon calcul. De même, dans notre décision ou pas adoptée pour le péché, la destruction de notre capital de réputation sociale peut rentrer en ligne de compte. Imaginons un professeur attiré par la transsexualité. Souvent, il ne va pas concrétiser car le risque est le suivant. Ses élèves risquent d'avoir l'information et son autorité de s'effondrer. Mais inversement, si l'espérance de gain de la tentation est encore plus forte, il prend ce risque, même si peut-être il le regrettera. Pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas vu ce chef-d'œuvre, avec Marlène Dietrich, intitulé L'ange bleu, doivent se précipiter et choisir du reste à cette occasion, soit de payer pour voir le film et ne pas violer le droit de propriété, soit de tenter de tricher en ayant la gratuité, mais le risque, il est vrai, faible d'être attrapé. L'auteur, Cameron, intègre aussi très subtilement le fait que les religions souhaitent ce qui est naturel, obtenir la part de marché la plus importante. Ceux qui nous écoutent parmi vous n'ont pas à être choqués. Si vous demandez au pape s'il préfère avoir un million ou un milliard de fidèles, il répondra évidemment un milliard. Mais le rabbin pense de même, comme tous les entrepreneurs de péché. Allons encore plus loin. Les esprits non exercés pourraient penser que la religion qui assure le salut éternel, quoi que l'on ait fait, va obtenir la part de marché la plus importante et que tous les fidèles vont y adhérer. Cameron note avec justesse que la crédibilité d'une telle proposition est faible et que donc peu de fidèles vont croire à la proposition. Quoi que tu fasses, tu seras absous et les portes de l'éternel vont s'ouvrir. La réputation de cette proposition pour l'entrepreneur de salut éternel est faible. Vous pouvez aussi comprendre pourquoi le catholicisme a un bel avenir. Car s'il ne promet pas le salut éternel, le statut de la technique de la confession, prometteur, une religion qui propose un salut à répétition, un avenir brillant. Mais il n'est pas douteux et sans aucune provocation de ma part que l'islam peut recueillir l'adhésion de beaucoup d'hommes quand il propose et accepte qu'ils aient légalement de multiples partenaires féminins. La polygomie assure une part de marché, mais à l'inverse, peut dissuader d'autres d'adhérer à cette proposition. Au total, à tout instant, tout individu rationnel et vous l'êtes, sous soigneusement l'utilité de satisfaire à nos désirs, même quand ils sont des péchés, et la désutilité d'un comportement déviant, jusque et y compris dans des conséquences ultimes sur le devenir de la cohorte des êtres humains. Je vous souhaite le salut éternel.